Bonjour à tous et bienvenue dans ce monde hostile qu'est Call of Craft. Dans ces jungles épaisses et inquiétantes, le danger est partout. Dix personnes volontaires ont décidé de tout quitter pour tenter la grande aventure. À eux de montrer de quoi ils sont capables, à eux de surmonter toutes les difficultés. Au départ, ils étaient 10, à la fin, il n'en restera plus qu'un. Vous avez 15 stacks de et salut tout le monde, c'est Zeluix et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Call of Craft saison 2 en compagnie de la tribu des Rouges. Salut. merci pour cet accueil très chaleureux. Donc je vois que vous avez bien avancé sur vos tours pendant le dernier conseil. Bah, c'est bon, ouais. Que vous faites des trucs, des zones industrielles, j'ai l'impression, je sais pas. J'en ai marre de respawn dans l'hélico. Alors Zeluix, tu peux remarquer que voilà, regarde-moi. Ouais. Ah, t'as un skin ? Oui, j'ai un skin ! Oh ! Venez sur LOL, c'est mieux LOL. Au revoir, va te coucher. J'aime bien les débuts de vidéo de Zeluix. Il y a un salaud 5 qui se TP un peu partout. Zeluix ? Eh bonjour. Oui. Non, je suis là. C'est qui l'aspirateur ? J'aurais une question, est-ce que vous entendez l'aspirateur ? Ça veut dire oui. Bah, okay. Ça veut dire oui, tu vois. Je vais me mettre en push to talk. Merci. Je redémarre mon launcher parce que c'est magnifique, je n'ai pas de son, c'est super cool, agréable et tout. On n'en doute pas. C'est qui est en train de descendre dans la cave? Et c'est quoi le but de la journée aujourd'hui? Alors c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est pas la merde. Non, moi j'ai trouvé ça très cool, c'est très distingué. Alors, est-ce que tu... Louis, tu peux spammer ta touche de push to talk pour voir? Mais non, mais spammer. Ouais. Est-ce que vous pouvez arrêter ce bruit? Merci. C'est chiant, hein. Par contre, il faut que je me souvienne que j'appuie sur 5 pour parler, ça c'est un peu plus compliqué. Et voici l'interview de lui qui s'est fait éliminer. Pour des problèmes d'aspirateur. Voilà. Donc, le programme de la journée, eh bien c'est très simple. Attends. Alexis. Ne parle pas. D'accord. J'ai mon frappe qui a craché. Bah, c'est comme d'habitude en fait. Ouais. Confort, immunité. Confort, immunité et conseil. On fait des tours, des tours. Pourquoi est-ce que ma touche de record elle marche pas, putain? Eh, y a l'Under, Zeluix? Non. Oh. Ah. Y'a quoi? J'avais des terres là. De quoi? Mais nique-toi, je me suis cassé la gueule en faisant ma tour. Putain. Ah, d'accord. C'est qui fait des bulles là? Ça doit être moi. C'est toi. Allez, on continue, hein, on fait des tours, c'est très intéressant. Ah. Y'a qu'à sur la torche. Et en fait, hey, comment tu vas calculer le nombre de tours et tout bordel? Bah, il va compter, c'est 1 plus 1 plus 1. Alors, Zeluix, j'ai une question. Oui. La base de la tour, elle est comptabilisée à partir de la couche 0 ou ça se passe comment? À partir de là où elle ressort du sol. De là où elle ressort du sol. À partir de là où il va. Donc, creuser autour des tours. Non, regarde! Eh, hey, viens où je suis, regarde dans mon trou, faut commencer par rapport à ici, la tour. Ouais, regarde, c'est comme si on était dans le sol et on est plus haut. Zeluix, tu comptes le nombre de tours ou le nombre de blocs? Le nombre de blocs.
J'allais dire on peut faire une usine à poulpe, mais on creuse le tour des tours, ça fait plus de blocs. Bien de la terre, si bah oui. Hiroshi. Creuser autour des tours, au lieu de creuser n'importe où, dans le stupide. Et Zeloïc, si on commence une tour à partir d'où je suis, ça compte ou pas? Bah oui, c'est là t'es où ça sort. Là, regarde, dans ouais, le ouais, ouais. À partir du moment où ça ressort du sol et que c'est visiblement visible que c'est en dessous du sol. Visible. Ok, bah donnez-moi des pioches, les gens. On va commencer à partir de la couche 0. Bah oui, mais à la limite, si on veut jouer au con, on fait la cobble et je refais des tours. Si on veut jouer au con, on fait des pioches. On fait... C'est qui mange des chips, là? Ayan. Ah non, c'est Zeloïc. Non, non, c'est ouais, pas non, mais la terre, il faut la récolter autour des tours. Mais, voilà, la terre autour mais sinon, on fait, des, on fait des trous de 3 par 3 sans creuser au milieu. Alors ouais. Arrête ça tout de suite, ouais, Lulen, s'il te plaît. Lulen, ça fait mal. Ah, pardon, mais je reste oui, appuyé sur le bouton 5. Oui, c'est lent, mais en même temps, tu récupères des blocs. Donc, du coup, après, tu repars. Mais en fait, si, ça fait un bloc tout en haut. Non, non, j'ai une idée. Zeloïc, tu dégages. Salut, allez, au revoir. Ouais, salut, ouais, bisous. Ça, et re, les amis, sur le camp jaune. Salut. Le meilleur. Yeah. Ira. On a perdu notre motivateur. Ouais. C'est vrai. Allez les gars. Ouais. Tiens, bah il est là lui. Ouais. Là vous êtes pas là, il parle. Il connaît que son esprit. Ouais. Je dirais même son esprit. Alors, dès le jour prochain, ce sera l'épreuve de confort. Ouais. C'est bon. Putain, personne m'a écouté. Je pleure. Bah il faudrait... C'est pas comme si tu disais des choses intéressantes, hein. Alors, je savais pas qu'il y avait des bébés qui étaient sur l'île. C'est chez Joe, je pense. C'est petit. On l'arrêterait peut-être pas comme ça chez Joe. Est-il ? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est ça, je pense, c'est chez Dieu. Ouais, mais bon. Faut pas trouver. Ouais, j'ai un lag de là, pas loin, si parce que le problème, c'est que si on fait ça, j'ai pas de piston au collet. Ah. Ah oui, on est fait. Trouve un chunk à slime. Mais y'a pas de. Au pire, on fait juste un générateur de cobble. Ouais, maintenant, y'a les flics sur l'île, oh putain, je. Je sais pas si c'était chez moi. Au pire, on fait juste un générateur de cobble. On en apprend des choses. Alors, est-ce que vous avez trouvé des coffres à stuff? Non. Non. Non, pas encore. Est-ce que ça se demander si ils existent Ah bah ils sont bien cachés, je vais pas donner des coffres avec du bon stuff comme ça d'un coup. Ok, attends, j'ai vu Zeloïc partir par là. Et les rouges, ils en ont trouvé? J'en sais rien, j'aurais pas demandé. Oh, j'en ai trouvé un. Vive la personne en invisible. Ah, c'est très élevé ce que je vois. Flame 1, Power 5, Punch 2. Ta gueule. Un arc. Pas sérieux? Oui. Deal. Ciao, Shade. Ah, oh, y'a encore. Zedwix? Oui. On a-tu droit à d'autres 7 hommes? On a juste un 7 hommes. T'as le droit de faire un seul 7 hommes. Oh putain. Je vais faire un slash 7 hommes. Tiens, en fait, vous êtes au courant pour les fours? Qu'on peut les crafter, Bah vous avez le droit maintenant, vous c'est dans les règles. Ah, bon, on a crafté un autre. Ouais, on ouais, l'a trouvé et on a crafté un autre donc. Ouais, vous avez le droit parce que ouais, il y a eu un petit bug avec le launcher. Bon, je remonte, j'ai 3 stacks et demi de redstone. Cool. Bon, je pense que niveau tour, les jaunes ils sont bien, hein. Ouais, ouais, mais les rouges aussi sont pas mal en fait. Hein. Ils ont adopté des techniques pour les faire plus rapidement. Faites un générateur de cobble, les gars. Parce que le sauce ça marchera pas. Faut avoir des pistons connards. Ou des slimes. J'en trouve, on va faire ça. Mais... Est-ce qu'ils sont tous à la surface, les coffres, ou sont dans les mines aussi? Y en a aussi dans les mines, mais bon, ils sont très très durs à trouver. Hein. Okay. Qui sont pas comme dans les grosses. Il y en a combien à la surface? J'en sais rien du tout, je m'en rappelle plus pour tout te dire. C'est il y a un an que j'ai fait cette map. Hein. Plus que un? Je sais plus du tout. Putain, le filon que j'ai trouvé de diamant. D'accord. Je pensais même que je les avais oubliés à un moment. Ça pourrait être pratique dans une épreuve d'arc. Bah de... Sauf que là, je suis en train de mourir. Ouais. Est-ce qu'on va vraiment faire quelque chose avec ça? Côté des rouges.
Edwix. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'aller du côté des rouges? Non. Non, vous avez pas le droit de sortir de votre île. Ok, c'est bon. Voilà, il va faire nuit, donc là vous allez devoir aller faire dodo. On va go dodo. Je préviens les rouges. Slash, voilà. Neuf diamants de plus, 29 diamants. J'ai le saut de lave en passant. Go dodo. Ouais. On peut déjà dormir, à ce temps-là. Ouais. Ouais, vous pouvez déjà dormir. Je vais charger mon lit de place parce que sinon il se fuck. Crée-toi une place, Shide. Coucou Zelux. Bloque pas les escaliers. Et il manque une personne qui dort pas, Arthur. Oui, je finis juste de faire ma tour et j'arrive. D'accord. Au pire, Shide. Ouais. Enlève ton lit, puis il faut que je veuille dormir dans le lit en avant de Joe. D'accord. Attends. Il y a plus de lit. Les rouges dorment tous. Moi je me crée un étage. Allez-y, dormez. Je me crée ma crypte. Est-ce que tout le monde dort? Bah moi je suis couché. Il Arthur. Manque juste Arthur. On est couché. Oui. Tu dors? Bah j'ai des coups donc c'est pareil, oui. Ouais, ok. Ah non. Putain. Pour la prochaine épreuve, pas de stuff. Oh, c'est dur le matin. C'est bon, je peux revenir. Et re tout le monde et bienvenue dans cette deuxième épreuve de confort en compagnie de tout le monde. Salut. Bonjour. Salut. Hello. Alors, avant d'abord, avant les règles, je vais tout d'abord vous donner la récompense, enfin vous dire la récompense avant de vous la donner. Moi je veux que tu me la donnes bien. Fils de pute de Loulan, reviens ici. Alors, deux stacks de bûches de bois. Il y a un sauvage. Deux stacks de porc cuit. Ah, ça c'est intéressant. Ah. Loulan, une alambic pour faire des potions. Ah, de la netherwart. Une graine de melon, une graine de pumpkin et 5 blaze rod. On pourrait faire du force. Ah ouais, c'est confort. Hein. Loulen, faut gagner en hein. Alors, je vais vous expliquer les règles. Donc c'est une course, c'est très simple, il va falloir arriver toute l'équipe à la ligne d'arrivée, toute l'équipe. Si vous pétez votre bateau, sachez que vous devez retourner à la ligne de départ. What? Et toute l'équipe doit être à la ligne d'arrivée pour faire gagner l'équipe. Mais oui, pourquoi il y a plus de nidifères d'un côté que de l'autre? Ouais, j'avoue, pourquoi il y a plus de nidifères du côté gauche que du côté droit? C'est un complot. C'est parce que ça tourne, vous êtes con, au final ça revient au même. Mais alors, comme les jaunes sont 4 et les rouges sont 5, on va devoir faire un tirage au sort pour savoir qui des rouges ne participera pas à l'épreuve pour que ce soit équitable. Daedric. Donc, les rouges, je vous invite à aller dans le petit compartiment ici avec les barrières. Que les rouges, les jaunes restez dans l'enclos. Que ah les rouges, Arthur. Ah non, merde. Bon, alors, mettez-vous en file indienne. Je me suis encore cassé. Je reviens. Remettez les vrais blocs. Pourquoi je suis retourné par des cailloux? Mais arrête. Allez, vas-y, Alexis, tire. Dans quoi? Tire. Ouais. Alexis participera à cette épreuve. Non, mais on peut sauter là, c'était pas obligé. Headshot aussi. Oh mais du coup, merde. Daedric ne participera pas à cette épreuve. Ah bah ça va. Ah bah comme ça. Voilà. Alors moi les bateaux non. Moi les Loulen. Bateaux ça fait un petit peu à peu près 48 000 donc non. Voilà oui, voilà. C'est... Donc je Nekosan place les bateaux et puis on va commencer la course. I'm just remettez les vrais. Ouais, remettez vos vrais casques s'il vous plaît, sinon mais on peut pas vous reconnaître. Sinon on peut pas. Bah je peux en donner, j'en ai. Ouais. Merci. Voilà, alors je vais placer les bateaux. Visible avec un bateau dans la main là derrière. C'est moi. Bon voilà. Donc à mon décompte, vous allez tous, vous faites clic droit sur votre bateau. Vous n'allez pas dans votre bateau tant que l'épreuve n'a pas commencé.
Alors est-ce que vous, tout le monde est prêt? Non. Oui, il y a de l'eau dans le mien. Alex, est-ce que tu peux casser les bateaux des autres? Non, on n'a pas le droit de casser les bateaux des autres. Okay. Faut sauter dans les bateaux là, c'est ça. Alors attention. 3, 2, 1, top. Et on avance? Oui, avancez, avancez. Ah mais. What? Mais attention, et la musique épique. Ah, oui. Et c'est là que réside. Et comment on fait? On n'a pas de bateau. Oh putain, mais... Neko, remets les bateaux vite. Allez, Alex. Allez. Ah putain. Ah, Shine, il est coincé. Il me faut un bateau. Arthur, il m'est rentré dans le bateau, du coup le bateau il est cassé. Attention, le premier rouge est arrivé. Non mais... Oh non. Non, c'est Neko qui a fait ça, c'est Neko qui a fait ça. Allez, Hiro, bah voilà, Hiro. C'est bon, il est rentré, on le comptabilise. Ah, le deuxième rouge est arrivé. Le troisième rouge est arrivé, plus qu'un rouge. Mais what? Mais non, mais attends, le boss. Arthur, il m'est rentré dedans avec son bateau là. Vite! Loulène, dépêche-toi! Loulène, vite! Non, mais attends, Loulène! C'est quoi, Loulène? Dans Jai Shide? Bah non, mais à chaque fois, il pousse tous! Daedric ne va pas dans l'épreuve. En plus, j'ai besoin d'élan, mais vas-y. C'est de la triche. Il manque un rouge et tous les jaunes. C'est qui le rouge? Ah, c'est... Mais what? Vas-y, je partage la ligne. Bon, prenez des bateaux. Des voyez. Allez, salut. Non. Mais enfin, moi je t'ai bugué aussi. Mais ils font exprès, hein, ces enfoirés. Arrêtez de pousser le... Non, mais ça fait partie du jeu. Hein. Vas-y doucement. Loulène, vas-y doucement. Mais c'est pas ma faute, hein. C'est tout le monde qui clique contre moi. Daedric, arrête de passer dans l'épreuve, s'il te plaît. Eh, mais je suis passé là où il y avait personne. Mais Non, il y avait Shide. Ils le font exprès, c'est pour rien. Et bah là, je passe en dessous. Allez, et go. En dessous, comme ça, je suis sûr que ça va pas. Manger une côte de bœuf pour motiver. Hein. Allez-y, lance-main. Ah, allez, Loulène, je fais n'importe quoi. Tout repose sur toi désormais. C'est très lève. Loulène, il va pas y arriver, ils vont encore gagner les jaunes. Ça serait cool. C'est qui arrive? J'ai échoué. C'est qui? C'est bon. C'est qui dans le bateau là? Ouais, je le vois, on les voit pas. C'est un ennemi. Invisible. Mais regarde, il a FK. C'est bon. Mais... Ouais, Loulène est arrivée, la victoire elle est pour les rouges. Oh quoi, c'est Loulène? Allez. Étonnant. Bravo les rouges, j'offre la récompense à notre ami. Qui c'est qui arrive en premier? C'est Alexis. Oui. Attends, on va peut-être sur la terre ferme parce que voilà. Bon. Par contre, là, je suis désolé, j'ai un compte à régler avec les jaunes. Ils m'ont poussé tout du long, ces enfoirés. Merci, mon bébé. Ils m'ont poussé tout du long, ils m'ont pas laissé arriver. Voilà, voilà. Donc, on va se retrouver chez les rouges pour la suite de nos aventures. A tout de suite, les amis. De retour sur le camp rouge après une première victoire sur les épreuves de confort. J'espère que la récompense vous sera bénéfique. Salut tout le monde. D'accord. Bonjour. Bonjour, c'est Louis. Bonjour. Tu te sens pas trop seul maintenant? Ok, je recommence. Donc, eh bien, les amis, on se retrouve sur le camp rouge après une première victoire sur les épreuves de confort. Et j'espère que la récompense vous sera bénéfique. Salut tout le monde. Bonjour Zé Louis, tu fais une vidéo avec moi parce que t'es famous et c'est cool. Allez, Zé en base. Zé Louis, on joue à Borderlands. Zé Louis, ça va? Oh gueule. Justement, le temps de tournage, bah, je vais aller l'acheter. A plus. Allez, salut. Si c'est la seule chose que je peux faire d'intéressant. Bon, les moutons, je les mets dans l'enclos, hein, vous les tuez. Putain, j'en ai marre, je passe pour... Ah oui, il est très beau ton enclos, je pense que t'as oublié la moitié. Mais Loulène, mais... tu ne fais pas que passer pour une merde. Mais tais-toi, t'es constable là, j'ai une épée. Loulène, comment il fait la canne? Ah, tiens. Oui, il fait le fou là, hein, attention. Mais non, mais en plus, c'est juste à cause de ces enfoirés qui me rentraient dedans, et puis j'étais tout à droite du coup. À gauche, j'avais des bateaux, et à droite, j'avais... Mais à droite, j'avais... Non mais les gars, au moins on commence.
Il y a un avantage à tout ça. On sait qu'on va éliminer si on va. Oh, de salope. Je vous rappelle qu'il y a deux livres d'immunité qui sont cachés sur l'île. Eh ben, Loulen, là, il va se mettre à chercher, je crois. Vas-y, j'ai une question, Zeloïx. Oui. Ils sont cachés sur l'île ou sous l'île? Ils peuvent être dans des grottes ou pas? Alors, ils peuvent être... Non, ils sont que sur l'île. Que sur l'île. Par exemple, un arbre ou une grande jambe? Ouais, ouais. On n'a pas besoin de petits blocs à passer? Bah, ça dépend. Ça dépend. Mais je me rappelle plus, en fait. Je me rappelle plus. Ça fait un an que j'ai fait cette map, hein. Moi je me souviens qu'il y en avait un dans l'eau quand j'ai joué. Alors pourquoi tu tombais trop bas? Bah là tu vois, un peu saute, triste un là. Je peux sauter et je reprends un bloc et là tu vois je prends tout. Je suis tombé sur le bord de la map avec on mon bateau. On a pas un peu de bouffe? Ah si. GG, il vous est. Prends un peu de bouffe. Ah là là. Il va bientôt faire nuit, vous allez devoir bientôt dormir. Bon. Déjà ? Non, papa, j'ai pas envie de dormir. Ah bah oui. Non, je veux pas aller me coucher, papa. La survie, c'est que le premier jour. Hein. Ouais, et papa, du coup, on a non, t'es pas que tu me touches. Arrête, papa, s'il te plaît. Arrête de marcher, papa. Yamete Kudasai. Tes coups d'assaille. On dirait plus un viol qu'autre chose, là. Mais oui. Arrête de me toucher, papa. Non, mais Ryan, ça sent que c'est du vécu, là. Arrête, arrête. Tu me rappelles des mauvaises périodes de ma vie. Yamete, Yamete. Yamete Kudasai. D'ailleurs, en parlant japonais, j'ai envie de il faut que je regarde Sword Art Online, moi. Ah, excuse-moi, tu me donnes le cancer. Bon, les jaunes, ils ont quand même beaucoup de skills dans les épreuves. Ah, j'avoue. Ouais, c'est... Bah, c'est la les première, c'est un coup de chance, parce que Loulen, il est très doué. Et la ouais, deuxième... Non, mais c'est bon. C'est quoi ce tour là-bas dégueulasse? Allez, faut faire des tours, là, allez, hop. On fait des tours. On dépêche, moi je fournis les blocs, vous faites des tours, allez hop. Gododo. Ah, gododo. Et en fait, j'y pense, si on pose plein de blocs partout, ça fait des tours. Non, mais ça prend pas. Ah, j'ai une idée. Et merde, au pire, on a qu'à dire que toute notre île, c'est des tours. Bah, c'est des blocs, hein, voilà. C'est tout. Ah ouais, c'est des tours de blocs. Bon, d'abord, tout le monde dort. Ouais. Oh, c'est mignon. Ah oui, et re tout le monde pour la deuxième épreuve d'immunité. Vous connaissez cette épreuve, pour la plupart en tout cas. C'est une épreuve de jump, c'est assez simple. Il faut faire le jump, prendre la laine, la mettre sur le totem. Et puis l'équipe qui aura mis la laine le plus rapidement, toutes les laines sur le totem, aura gagné. En gros c'est ça. Voilà. Donc, alors tout d'abord, comme vous êtes... 4 jaunes et 5 rouges, on va devoir encore faire le tirage au sort. Je me demande comment on fera quand on sera 2 jaunes et 5 rouges. Donc, vas-y Loulen. Laine blanche. Alexis. Ah, laine noire. Oh non, Alexis. Voilà, donc Alexis ne participera pas à cette épreuve. Mettez-vous en place, ne commencez pas le jump, sinon je vous pousse. J'attends. Il y a un mouton. Allez, Loulen, tu commences. Allez. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention. Est-ce qu'il faut attendre qu'il ait fini le jump? Oui, il faut attendre qu'il ait fini le jump. Bon, moi je record depuis l'arbre. Attention. 3, 2, il manque un jaune. Je prends du heal. 3, 2, 1, c'est parti. Je vous regarde, je vous encourage, Loulen, allez. Let's go, Joe. Merde, putain, mon script il a pas marché. Déjà. Ça commence. Oh, vas-y, c'est beau, Joe. Vas-y, vas-y. J'ai une laine. Jonathan a une laine. Faut pas la peine. C'est bon, un deuxième jeune peut y aller. Loulen, dépêche-toi. 1-0. Mets-le sur le totem, mets-le sur le totem. Vas-y, Steve. Vas-y, Steve. On a de l'avance, donc. Oh, Jonathan, arrête. Vas-y, Loulen. C'est bon, j'allais. Vas-y, va, Ryan. Non, mais c'est... passe pas. Allez, troisième jaune. Eh ben, GG, hein. C'est les mêmes jumps ou... Non. Oui, oui, c'est exactement les mêmes jumps. Comme ça, sur la jump de planète. Ouch. C'est vrai que la jump de planète, c'est plus compliqué. C'est bon, on a une. Merde. Je croyais que j'avais appuyé sur ça. Allez, j'en ai une. Il a pas. J'ai le droit de retourner. Jonathan, arrête.
Non, non, t'as pas le droit d'y retourner. C'est à toi. Arthur, c'est à toi. Il est pas compliqué le jump. Allez, let's go. Juste, prends ton temps. Non. Prends ton temps. Bah moi j'ai pris Jonathan, arrête. Hélène, recule bien, et vas-y. Si le refait, c'est mort. Oh, mais attention. C'est ça. Non. Let's go, Shane. Pourquoi il y a une laine blanche? C'est moi qui l'ai mise, hein. On a 4. C'est glissé. Attention, chef. Prenez des blocs et posez-les. Mais putain, mais arrêtez de me taper aussi. Yes, c'est bon, le. Let's go, Arthur, c'est à toi. Posez des blocs. Vite, il reste juste toi pour nous gagner. Ouais. Attention, ça va bientôt faire 3-1. Est-ce qu'on a le droit de faire la table? On peut gagner. C'est le seul à avoir du skill merci. Putain, mais. Oh, le gros. Ça, c'était moche par contre. Edgar, tu n'es capable. J'utilise le sneak, je crois. Merde, dans le jungle. Ouais. Non, rien. Et ça peut se faire sans ça. Oui, Arthur a réussi, attention. Vient de prendre notre laine. Oui. Non, arrêtez les jeunes. C'est bon, j'ai ma laine. Putain, j'ai... Non, voilà. Le la dernier laine. Héros. Attention. La laine par Arthur. Arrêtez de vous taper, s'il vous plaît, c'est chiant. Oui, la victoire, elle est pour les jaunes. Non. Ce qui veut dire que... Mais la dernière laine, c'est pas celle qu'il avait récupérée quand il l'avait cassée. Non, c'est bon, ils ont tout pris. J'ai vérifié. Bon, ben, c'est... Pour vous montrer un peu l'épreuve. Ouais, on peut la faire en 2 secondes, rien qu'en sprintant. Oui, hein. Si je réussis en deux secondes, vous avez le seul. Voilà. Donc, c'est l'équipe rouge qui participera au conseil de ce soir. Bon, bah moi je souhaite une bonne continuation à tous mes camarades. Donc à très bientôt, on se retrouve sur l'île des rouges. À tout de suite les amis. Au cas où j'ai réussi le jump. De retour sur le camp des rouges après une défaite sur la deuxième épreuve d'immunité. Alors là je peux vous dire que c'est très serré. Les équipes sont vraiment très équitables. Ça veut dire quelque chose pour l'instant. Moi je crie au complot. C'est pas équitable, on va louler. Alors Loulen, non. Mais taisez-vous là, c'est bon. Mais Loulen il est doué. Moi je m'en vais, je vais me suicider. Ouais, voilà, c'est gentil, moi, casse-toi. Abusez ma femme, enculé. Sinon, la source de lave, vous l'avez cramée. Donc, cramé qui? Ah, la source de lave, vous l'avez bousillée. Lolen, tu as toujours une chance de trouver le livre d'immunité. Comment tu veux que je fasse ça? Bah, tu mais... cherches. Il y a combien de temps en fait? Pourquoi? Bah, mais je suis mort, mais je suis pas mort. Ouais, deux journées. Vas-y, Lolen. Moi aussi, je vais chercher un livre d'immunité, on sait jamais. Je te donnerai si je le trouve. ZMX, c'est un peu grâce à moi que t'as ta chaîne YouTube, on est d'accord. Ouais, mais je peux pas te faire cadeau là-dessus. Et on a trouvé le four. On a trouvé le four. T'as senti les chiffres. Bravo. Tu sais qu'on est mis depuis longtemps, Julien. Ah bon? C'est du genre... longtemps. On a trouvé le four avec Headshot. 5 ans maintenant, bientôt. Ouais. Un 5. C'est super utile maintenant. C'est un certain chiffre, 5 ans. Bah ça fait 5 quoi. C'est un certain chiffre. Et 5 plus 0 ça fait combien? Et bah tête à Toto. 5. Et ouais mon gars. Non. Mais 5 ans c'est beaucoup Julien, tu sais. Quand vous faites les tours, il faudrait emmener des torches en haut pour faire la petite lumière. Ça peut pas spawner. Sachant que la torche ne sera pas comptée comme un bloc. Oui. Mais de toute façon, on peut pas la poser de 1 et de 2, ça peut pas se prendre en haut. Oui, non, mais pour que ce soit éclairé en haut, que ça passe quoi? Non, mais on perd un bloc! On perd un non, bloc! Non, on s'en fout! Non, mais tu mets pas ça, tu la mets sur le côté! Non, il va bientôt faire nuit, donc le conseil c'est bientôt. C'est sympa le truc anti-feu, il y a un arbre qui brûle toujours depuis. Bon, pas depuis 4 heures! Voilà! Pour faire les tours, il vous a fallu environ combien de blocs? Le lait? Ouais. Il y a un mouton qui a spawné en haut de notre tour à la couche 256. Ah bah il est mort. Ah bah la mort. Ah j'aurais dû filmer ça. Il est mouru. Ah ouais. Mais là le concours des tours, je vous fais confiance, vous allez le gagner, easy. Non mais ferme ta gueule, nous parle plus, t'es plus de chez nous. Bâtard. Allez, go conseil. Les gens venaient dans la petite bâtisse en bois. Mais pourquoi c'était Salo 5 qui a été éliminé la fois dernière?
Bah, en fait, ils ont tous voté. Il y a eu 5 votes pour Salossin. Alors, genre, Salossin, il s'est voté lui-même aussi. Ah oui, non, attends, il y a eu 5 votes. C'est pas logique, non? Bah non, c'est pas logique. Non, en gros, ils ont demandé qui voulait partir. Bonjour. Et il y a Salossin qui a dit bah, moi, je m'en fous. Casse-toi le jour. Bonsoir les rouges et bienvenue dans ce premier conseil pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, vous allez devoir voter pour quelqu'un, enfin contre quelqu'un de votre équipe, et il sera viré de Call of Craft. En gros, c'est comme ça que ça se passe. On en parle du truc pour voter. C'est très simple. Il y a un premier coffre, vous prenez le livre, vous écrivez le pseudo du type pour le qui vous voulez voter. Salut. Lolen va voter, t'es le premier. Je te crache dessus. Non mais c'est triste. On peut voter blanc. Non, on peut pas. Oh, c'est gentil, Alex. Ah non, tu peux voter noir vu qu'il y a le vote noir là. Mais non, mais c'est quoi ça, c'est pour les Africains. OK. Le vote noir c'est pour celui qui est voté, c'est la dernière mission, il doit voter pour quelqu'un de l'équipe. Je me souviens plus des pseudos des gens de l'équipe. Non, je déconne. Lolen, tu peux déjà partir. Hiroshi va voter. Bon, je vote en dernier parce qu'il faut. On vote où là? Alors, merci Hiroshi d'avoir été voté. C'est le gros bon. D'être allé voter. J'ai vu un livre là. Bon, Daedric vote. Je suis en train de le faire, merci. D'accord. Donne-moi les livres. Ouais, tiens. Pourquoi il y a plusieurs invisibles, ouais? Pourquoi il y a un livre Nekosan est une pute? Parce que c'est moi. Allez, vas-y Neko, je te laisse faire le dépouillement. Alors, cochon. Cochon. Loulen, car j'aime les sucres d'orge de ta salope de. Non, mais en fait, Loulen, un vote pour Loulen. Loulen, stop. Qui a trouvé le livre d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Ah, il faut le jouer maintenant. Oui. Non. T'es pas obligé. Loulen, non? J'ai pas le livre, Neko! Continue de lire mon livre! Tu peux continuer, Neko! Attends! Attends, je vais en écrire un! Non, je vais créer un! Non, ça marchera pas! Je lui mets tellement profond dans la gorge qu'elle croit que je suis une angine. J'espère que tu vas bien te faire fister, car tu es une belle merde. Car tu es une belle merde. Bref, je t'aime absolument pas, pédé. Je pense que c'est... Julien. Non, trop tard. Je me sens tellement fier, putain. Alors, je pleurais moi-même. Un petit livre nommé pute. Alors attends, c'était pour qui là? Donc ça fait 2 votes pour Loulen? Mais mon livre d'immunité, t'en fais quoi, Julien? Un seul vote pour Loulen, deuxième bulletin. Mais tu deuxième sais, Loulen, il y a déjà le sac blanc sur la tête. Deuxième vote, c'est pour Headshot 50-71. Donc, ouais, une voix pour Headshot, une voix pour Loulen. Genre, vous avez pas. Oh, mais Alexis, t'es trop gentil. C'est qui quoi? Alors, deuxième voix pour Loulen. Deuxième voix pour Loulen. Mais j'avais voté pour moi, pour Loulen. Un point de shot. Trois voix pour Loulen. Trois voix pour Loulen. C'est bon, j'avoue. Et le dernier? Ouais. Bon bah, malheureusement, faut voter, alors moi je vote Hollande. Non, mais tu veux mourir. Tu veux la mort de ton pays, toi? Non, il a voté Loulen. Ok, 4 votes pour Loulen, 1 vote. Pour Headshot, Loulen, je suis désolé, mais tu vas devoir quitter cette aventure au deuxième épisode. J'espère que ça t'aura plu. Et puis voilà. À plus et à la prochaine. Je peux regarder. Oui, oui. Ah, mais du coup, je suis invisible. Salut, sache, Loulen, que tu as encore une dernière mission. Vas-y. Tu vas voter pour un candidat de la team qui comptera pour le prochain conseil de l'équipe. Ah, c'est tout trouvé. Tiens, j'ai écrit un truc joli. Aïe. Voilà. Hop. Ah, c'est qui que j'ai foutu à la flotte là? Voilà, le vote est mis. Donc Loulen, à plus. Et puis les abonnés, merci d'avoir regardé Loulen, ce deuxième épisode de Call of Craft. Et à la prochaine pour le troisième dire épisode. À tous les membres de mon équipe que je. Alors, mon aventure avec les rouges. Ouais, c'est bien les rouges. C'était sympa, l'ambiance est assez sympathique, même si. J'avoue que j'étais un petit peu deg de ne pas être avec mes amis de toujours. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Mais c'était sympa dans le sens où on m'a prévenu à 14h30 que je faisais partie de Call of Craft. Il est maintenant 17h04. Donc j'ai passé 2h30. Cool, sympathique. Voilà,
transports dans lesquels je me serais fait chier probablement autrement. Donc je souhaite une bonne continuation à l'équipe Rouge. Et fuck her right in the pussy.